Bonjour et bienvenue pour l'épisode numéro 13. Aujourd'hui, je vous amène visiter avec moi Praia do Baril. Alors, Praia do Baril est intégrée à la Ria Formosa, qui est la réserve naturelle ici en Algarve. On va voir ça. Nous sommes donc à Pedras del Rey. Vous avez donc ici possibilité de vous garer juste là-bas derrière moi. Il y a un parking. Et ensuite, vous passez donc le chemin qui se trouve juste ici. Vous allez passer un pont. Et ensuite, vous pourrez prendre un petit train qui vous amènera jusqu'à la plage. Ou alors, si vous aimez marcher, eh bien, sachez que vous pouvez tout à fait marcher. Il y a un parcours de 2 km que nous allons faire, nous, à pied. Je vous rappelle que vous pourrez trouver le lien, en tout cas, de l'article que nous avons partagé, que nous avons rédigé sur Praia do Baril. Nous vous mettrons le lien sous la vidéo. Aux douches, aux WC, etc. Et c'est quand même une plage accessible. Donc à savoir aussi qu'ici, les chiens sont interdits. Alors voilà le pont dont je vous parlais tout à l'heure, qui donc rejoint directement le petit train, ou alors eh bien, le parcours pour aller jusqu'à la plage. Alors voilà, c'est ici que vous pourrez prendre le petit train. Donc vous voyez les horaires de fonctionnement de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h. Et c'est 1,60€. Donc vous voyez, le petit train justement arrive. C'est l'occasion pour vous, mais bien, de voir à quoi il ressemble. Alors voilà, vous venez de voir donc le petit train qui passe, et bien c'est exactement le même chemin pour se rendre à la plage du coup, donc à pied. Voici le chemin, on y va. Voici les espèces que vous pourrez trouver ici dans la Ria Formosa. Alors, tout le long du parcours, vous pourrez eh bien, savoir quelles espèces se trouvent ici. Donc c'est intéressant pour la culture et puis savoir un petit peu, connaître un petit peu ce qu'il y a ici dans la Ria Formosa en Algarve. Alors je vous ai déjà parlé dans un autre épisode du fameux oiseau qui s'appelle le pika-pika, qui a un cri très particulier ici. Donc le voici en photo du coup. Et ça, vous pouvez en trouver partout en Algarve. Alors voilà la chouchoute de l'Algarve, la cigogne. Vous la trouverez partout ici. Alors voici l'aigrette que vous pouvez ici observer toute l'année.
Alors voici un oiseau très très rigolo, je le trouve vraiment original celui-là. Et on le trouve aussi un peu partout ici, en Algarve, il est marrant. Alors voici les oiseaux qu'on a filmés au tout début de l'épisode, donc qui se trouvaient dans les marécages à l'entrée. Et donc ils s'appellent en portugais pernilongo et ils se nourrissent essentiellement eh bien, d'insectes, de larves, de crustacés, etc. Alors, Praia do Baril, donc c'est une ancienne structure de pêche du thon. Donc, vous pouvez voir d'ailleurs derrière moi Museu do Atum. Donc, c'est un musée du thon qui se trouve dans le restaurant, qui est très sympa aussi ici. Et il faut savoir que vous trouverez tout ce qu'il faut, c'est-à-dire des toilettes, des bars, des restaurants, tout de quoi vous restaurer, boire un verre. Et eh bien, sachez aussi que c'est accessible aux personnes en situation de handicap. Juste en face de l'arrivée du train, donc juste derrière moi, vous voyez les personnes qui marchent sur le pont, et bien vous avez l'accès à la plage. On y va? Autour de moi, vous pouvez voir des dunes et beaucoup de végétation. Donc ici, on sent quand même une odeur particulière qui n'est pas désagréable d'ailleurs. Et donc je vous expliquais qu'il y avait eh bien, tout ce qu'il faut pour vous restaurer, le musée et les WC. Et ensuite nous irons voir le fameux cimetière d'Ancre qui se trouve ici sur la Praia do Baril. Alors nous voici au bord de la mer, donc comme vous pouvez voir, l'étendue de sable, elle est vraiment immense. Et ici, c'est vraiment, c'est magique, c'est très très joli. À 2 km environ vers l'ouest, donc par ici, il y a une plage qui est naturiste, donc elle s'appelle Praia do Homem. Voilà, pour l'info. Alors voici le fameux cimetière d'Ancre. Je vous laisse admirer. Alors donc ici, vous voyez, donc nous sommes bien sur le cimetière des Ancres. Alors ici, ça a été construit en 1841, donc c'était vraiment spécialisé dans la pêche au thon, qui était pêchée dans l'océan Atlantique et mer Méditerranée. Et donc ici, les Ancres, eh bien, ils peuvent faire jusqu'à 300 kilos. Donc il fallait au moins 10 personnes, 8 à 12 personnes même, pour pouvoir les porter. Et les plus gros, donc il fallait au moins plus de 20 personnes pour les porter. Et la cessation d'activité donc de ce lieu a été cessée entre l'année 1966 et l'année 1967. Et donc ici, donc en face de moi, vous avez donc le bâtiment où il y a les toilettes à droite, et ici au milieu, donc ce sont aussi des cafés-restaurants, et à gauche, c'est le fameux restaurant qui fait aussi musée. Si vous avez l'occasion de venir, n'hésitez pas, c'est magnifique. Alors ça peut vous paraître calme comme ça, puisqu'on voit quasiment personne, hein, à part quelques marcheurs qui viennent et s'en vont. Mais sachez que, en tout cas, toute la période d'été ici, il y a énormément, énormément de monde. Même dans les restaurants, ils sont bondés. C'est vraiment très, très touristique ici.
Alors ici, vous avez donc les toilettes qui sont accessibles aussi aux personnes en situation de handicap. Donc à ma droite pour les femmes et juste derrière moi pour les hommes. Alors juste pour vous montrer quand même que c'est bien accessible, hein, vous voyez, pour les personnes en situation de handicap. Tout est vraiment parfait. Donc si vous avez souci d'accessibilité, en tout cas ici, il n'y a pas de problème, vous pouvez venir sans difficulté pour vous restaurer et voir cette magnifique plage. Il n'y a pas de problème. L'épisode 13 est terminé. J'espère qu'il vous a plu autant que moi, il m'a plu en tout cas. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si vous avez aimé. Un petit commentaire aussi si vous voulez, ou si vous-même vous souhaitez voir une ville en particulier ou autre chose, n'hésitez pas à nous en faire part. Et puis en attendant, eh bien écoutez, prenez soin de vous et nous on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode.